Le CESVAC, Centre d'études spirites vendéens, présente. La petite vigne, spiritisme pour la jeunesse, épisode numéro 8. Le libre arbitre. Le libre arbitre, ça, c'est intéressant. Et moi, j'en ai un de libre arbitre ? Ben oui, tous les êtres ont le libre arbitre. Même ceux qui ne se sont jamais posé la question. Mais ce n'est pas un libre arbitre, c'est le libre arbitre. Le libre arbitre est la liberté que chacun d'entre nous a de faire ou non une chose. Liberté de penser, de juger et par conséquent de choisir comment agir. Le libre arbitre de chacun va en augmentant au fur et à mesure que nous évoluons, que nous comprenons le plan divin et que nous y adhérons volontairement. Dieu nous a accordé le libre arbitre pour que nous construisions notre destin. Il dépend uniquement de nous de suivre le chemin du bien qui nous rend heureux ou celui du mal qui nous conduit à la souffrance. Dans n'importe quel cas, nous avons toujours la liberté de choisir la manière d'affronter et de réagir aux événements. Personne n'est entraîné irrésistiblement vers le mal. Personne ne pratique le mal parce qu'il en a été décidé ainsi. C'est à nous seuls qu'appartient le mérite de nos bonnes actions ou la faute de nos mauvaises actions. À chaque acte pratiqué correspond une conséquence. Un acte bon amène de bonnes conséquences. Un acte mauvais amène des conséquences mauvaises. Nous pouvons pratiquer le mal, mais ensuite nous devons en souffrir les conséquences. Celui qui souffre n'a pas utilisé son libre arbitre pour la pratique du bien. Nous avons tous l'intelligence suffisante pour distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Notre conscience guide notre intelligence et nous indique ce que nous devons faire ou ne pas faire. Pour pouvoir entendre notre conscience, il est nécessaire de penser avant de faire ou de dire quelque chose. Il est toujours important de conserver son calme. Une situation ou un problème se présente, mais la décision de comment agir dépend de nous. Le bien ou le mal que nous faisons est toujours à la charge de notre responsabilité, car nous avons toujours notre libre arbitre dans la vie morale.